fois et à toute l'équipe pour cette disponibilité que vous avez manifestée et en demandant à l'Esprit Saint de multiplier, de fructifier ce que vous avez déposé comme une semence. Hein, comme une semence. Donc, autant, merci beaucoup. Anitje, Nancyo, Marina. Nous sommes ici à la paroisse Sainte-Cécile. Sainte-Cécile qui est à Cocody Wallon, Ballon. Nous sommes présents ici dans cette belle église. Je ne sais pas le nombre de personnes présentes dans cette église. J'ai rarement vu autant de chrétiens rassemblés à un seul endroit. Pour célébrer la Pentecôte, la naissance de l'église, la descente de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, l'église est née. Aujourd'hui, l'église est en fête. Et ici à Abidjan, nous le fêtons dans l'allégresse. Nous avons connu beaucoup de baptêmes aujourd'hui, beaucoup de premières communions. Et ma prière, c'est que les jeunes qui viennent de recevoir leur baptême et leur première communion vivent leur foi dans la joie. Qu'ils aiment le Seigneur, qu'ils aiment l'église, parce qu'ils font partie de l'église et que l'église est leur maison. Maintenant, je les bénis. Je bénis également tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Que le Seigneur les bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la Pentecôte. Dans cette belle église, qui est la paroisse Sainte-Cécile de Cocody Wallon, Ballon, nous sommes très contents d'être là. L'église est belle. Ici, c'est une église fervente. Nous venons de participer à une belle messe avec les baptêmes, les premières communions, centaines de jeunes. L'église était archi comble. C'est magnifique. La foi est encore vivante chez nous. Le Christ est vivant. L'Esprit Saint est descendu sur nous. L'église est vivante et nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il bénisse notre église, qu'il nous bénisse afin que nous continuions à annoncer sa parole tous les jours de notre vie. Merci et bonne fête de la Pentecôte à tous. Merci.